51, les stations fréquences de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, eh bien ça roule. Attention la bulette pour Dundee 33 qui t'appelle. Ah, j'ai entendu quelqu'un dans le lointain, là, c'est très QRP là, depuis le pont d'Aquitaine. 73 la station de la part de Dundee 33, bonne journée. Oui, Roger Bip, les 73 de la part de Dundee 33, là, dans la descente du pont d'Aquitaine. J'ai des QRM là de mon côté, là sur le pont, là c'est pas évident pour sortir quoi que ce soit. Allez, j'entends gazouiller dans le lointain derrière, mais c'est avec les QRM qu'il y a ici sur le pont d'Aquitaine, c'est indéchiffrable. J'ai d'arriver en bas du pont d'Aquitaine. Bonne journée à tous. Sur la bellette pour Dundee 33 qui t'appelle. On vous sent pas ce soir Dundee, 73 et la bonne année de Nico. Les 73 Nico, bonne année, meilleurs vœux, comment vas-tu? Ben, ça va bien, ma foi, je me suis arrêté 5 minutes pour moduler un petit peu, à mon endroit bien dégagé et ça passe vraiment fort là. Ah bah tu m'étonnes, et moi là je viens d'en profiter en passant sur le pont d'Aquitaine. Ah ok, ouais, c'est pour ça aussi, moi sur le côté du lac bleu, aller au Niant, voilà, toujours pareil. Ok, d'accord. Non, bah là, on vient de profiter, là, vu qu'on est en vacances en ce moment, hein, on a profité un petit peu là, des soldes, se racheter pantalon de moto, trucs comme ça, toi. Ouais, faut profiter, c'est sûr. Ah, je suis trois coups, c'est vrai, c'est pas faux. Ben. Là, les fêtes sont bien passées. Oui, les fêtes sont bien passées. Hein, c'est parce que là, je commence à te perdre un petit peu. Là, je suis quasiment rendu à la hauteur de l'Ormont, la sortie de. Et c'est vrai que là, dans le coin, il y a pas mal de QRM, c'est un petit peu compliqué. Autrement, ouais, les fêtes sont tellement bien passées que pour Noël, ben, j'étais au pro. Voilà, le premier de l'an, ben, on l'a fait entre nous, on a fait carrément un apéro dînatoire sur le canapé, on était bien. Et de ton côté? Ouais, ben nous, on fait les fêtes de Noël, le repas de voilà, la vie du Papa Noël, tout le monde était content. Bon, il m'a pas apporté de nouveautés, mais bon, tant pis, peut-être l'année prochaine. Et puis, ben, le premier de l'an, avec un couple d'amis, voilà, tranquille, on a pu manger, bien rigolé, voilà, quoi. On a réussi un peu pour la manger, donc on va s'arrêter. Tu m'étonnes.
Eh ben tiens, ce midi, on a mangé là, au centre routier là, de Bordeaux-Lac. Ah, c'était pas mal sympa aussi. Ah, c'est pas trop nombreux. Eh bien, attends que je jette un coup d'œil. Voilà, j'en étais sûr de ça. Et lui aussi, voilà. T'as les champions de la course qui double par la droite, là, qui viennent me passer à côté. Alors, au centre routier de Bordeaux-Lac, l'avantage, c'est que tu as l'entrée et le dessert à volonté. Voilà, alors déjà, rien que ça, là, tu t'en fous plein la panse. Voilà, là j'étais complètement perdu là, sur la fin. Là j'arrive à la sortie 26. Voilà. J'espère qu'en remontant là je vais arriver à te choper un peu. Parce que là je suis. Putain la vache, je suis 4x4 noir. Un humeur, tiens, j'ai un humeur là qui vient de me passer à côté. Sur un coup de tête, un de ces jours, et puis finalement j'ai pas sauté le pas quoi. Heureusement. Ah tu m'étonnes, vaut mieux avoir le jouet que le vrai, hein. Tu m'étonnes, et puis la consommation, ça doit pas être mal aussi. Hein. Ouais, celui-là il était aussi équipé au GPR. Hein. En principe, les gars ils font ça maintenant avec des gros moteurs comme ça américains. Ça les équipe au GPR, comme ça, c'est un peu plus rentable, on va dire. Ok, au fait, là je suis en train de faire une petite vidéo, donc tu pourras écouter ça après. Ah, ben super, j'aime bien écouter ça le soir ou le matin même. J'aime bien m'écouter sur les vidéos, quoi. Il n'y a que moi qui discute. Ah si, je pensais avoir la belette là, en fin de matinée là, quand je suis arrivé là sur Bordeaux, et puis en fin de compte non. Il doit être en train de je sais pas, il est peut-être là dans le sud du département, par là certainement là, vers où il va de temps en temps. Ouais bah il est souvent vers son casque là, mais aujourd'hui je l'ai pas entendu. Ah si, ce matin je l'ai entendu vite fait là, il était au loin. Sinon je l'ai eu hier, ouais, il était à son casque. Hein. Ok, ben, le prochain coup que tu le verras, tu lui enverras les bonnes amitiés, la bonne année et tout de ma part. Eh ben ok ma foi, pas de soucis, je lui transmettrai, hein, ça passe pas une semaine sans qu'on se contacte pas, donc c'est bon quoi. Ok, ouais, surtout que là ce mois-ci, je suis pas sûr que j'arriverai à l'avoir, ne serait-ce qu'une vue mon planning, je pense non. À mon avis, je vais pas arriver à l'avoir avant le mois prochain, toi. Ah oui, donc d'accord, ouais, ça sera passé la bonne année, alors faut que je lui souhaite, je vais transmettre ça, t'inquiète pas. Ok, merci. Ben oui, durant tout le mois, j'ai pas une seule vacation là sur Bordeaux, et en plus qui correspondrait avec ses horaires. C'est-à-dire, par exemple, un débouchant le matin à 6h. J'en ai pas une. J'ai bien à voir là de 2-3 vacations là. Du côté nord-est Bordeaux par là, mais bon, c'est débouché le matin à 8h. Et en général à 8h il est jamais dans le coin. Enfin, du moins jusqu'à maintenant d'après ce que j'en entends. Ouais, j'entends jamais de ce là. Moi j'emmène les gosses à l'école à ce là, j'entends jamais, je pense qu'il y a quelques appels, mais c'est vide à ce heure-là de mon côté. C'est plus en fin de matinée ou l'après-midi quoi. Ouais, c'est ça, parce que quand je suis en stage là, du côté de Mérignac, c'est vrai qu'en sortant, j'arrive à l'attraper à chaque fois. Ou alors quand je débouche du côté de Bassins, de ce côté-là, là, que je termine vers 6h, là aussi j'arrive à l'entendre, mais entre, c'est compliqué. Quoi. Ouais, en plus, quand il met le pilotage automatique, comme il dit, s'il dort dans la cabine, tu vas pas l'avoir. Ah shit, ma coup. Bon là je suis sur la Nationale 89, là. Je suis au niveau de Courtepaille, voilà, direction Libourne. Ah, ah peut-être, ouais, je ferai quelques tours de galette, on verra bien. Oh, il n'y a pas besoin, lui, il reste toujours sur le 19.
Ah ben voilà un truc qui fait plaisir. Tout le monde dit que, qu'il n'y a plus personne sur le 19, ceci, cela. D'un autre côté, dans ce qu'on entend en fréquence, c'est pas tout à fait faux. Parce que la plupart des gens restent plus sur leur canal habituel. Mais bon, il y a encore, il y a quand même du monde sur le 19, la preuve. Ah oui, mais c'est normal un peu que c'est moi qui l'ai formé, hein. Il ne connaissait pas tout ça, je l'ai équipé, j'ai acheté un petit PX à Brocante, un président JSK, que je lui ai monté, et donc son poteau, je l'ai collé, et il ne peut pas bouger du canal du 19, enfin je lui dis tu restes là, hein. Si j'ai mis un point de super nuit, il ne collera pas du 19. Ok, et puis j'imagine que tu vas coller le micro dans la main par la même occasion pour être sûr qu'il prenne le micro le plus souvent possible. Alors, bavard comme il est, lui, il n'y a pas besoin. Lui, il prend le micro, il y va. Ah mais il a bien raison, hein. De toute façon, c'est fait pour ça. Hein. Bah oui, c'est fait pour ça, et puis c'est amusant, quoi. Et puis, puis voilà, et là, il fait une formation pour être chauffeur routier, justement. Et bien, dans tous les jeunes qu'il y a, ils sont une vingtaine, il y en a pas un qui connaît la CIPI, quoi. À part le formateur, les jeunes, ils connaissent pas, quoi. Ah ben c'est l'occasion justement de les mettre à ça, justement, et puis ils verront à quel point c'est pratique et marrant par la même occasion. Quoi. Ah ben ça devrait être même obligatoire dans les formations de transport routier, tout ça, de s'équiper de la CIMI, quoi. Une journée de formation obligatoire concernant la CIMI, parce que c'est vraiment utile, quoi, pour ces métiers-là, c'est quand même bien, quoi. Matin, bien sûr, c'est à l'étranger, ils le font, alors pourquoi pas ici. C'est ce qui marche ailleurs peut très bien marcher ici aussi. Hein. Après, c'est dans la tête des gens, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, c'est aux autres, c'est-à-dire à nous autres, de leur montrer que, oui, c'est pratique et marrant en même temps. Ouais, c'est pratique, c'est marrant, et puis pour la sécurité, c'est encore mieux que le téléphone, et puis voilà, quoi, c'est sympa, c'est convivial, voilà, il faut lâcher les écrans Facebook, là, et puis revenir à la TV, mais bon, je sais pas, il doit y avoir que moi dans le coin qui ait cette mentalité, quoi. Ah, je suis trois coups, mais t'inquiète pas, moi aussi je laisse cette mentalité. Franchement, c'est vrai que les réseaux sociaux, là sur internet, tout ça, ça me sort un peu par les yeux. Mais bon, comment faire autrement pour faire connaître la CIBI, c'est compliqué. Ah, mais c'est sûr, c'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Bon là je suis en train de commencer à te perdre et je vais vraiment te perdre parce que je vais atterrir là dans le trou là, du village La Poste. Donc je vais t'envoyer, voilà, j'arrive au panneau Montussan. Je vais t'envoyer les 913-51 et merci pour ce petit QSO et bonne route à toi, à la prochaine sur les ondes. Ok, merci, ben, je m'en occupe là dès que je suis rentré au cuir, hein, là, le temps de débarrasser des affaires, de mettre ça dans le PC, de travailler la vidéo et tout, parce que j'ai quelques morceaux. Bon, pas grand chose. Il n'y a rien que ça, bon ça passe, ça fait passer du temps pour le montage. Et je mets ça au plus vite en ligne. Ok, merci, bye bye.
j'ai entendu quelqu'un appeler. Allez, 73, la station là qui vient d'appeler de la part de Dandy 33. Ok, ce serait pas toi des fois qui connais Nico? Peux-tu répéter? Est-ce qu'à tout hasard, ce serait pas toi qui connaîtrais, qui connais Nico? Parce que je viens de l'avoir en fréquence. Oui, c'est moi le pote de Nico en effet, oui. Ok, d'accord, putain, je vais le rouler, c'est un morceau de bois, ça fait bizarre. Mais oui, il est allé au Nyon, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je viens de parler un moment là, avec lui, là, en fréquence. Ouais, je vais le rejoindre là tout à l'heure, sur les coups de 5h30, je sais, ouais, il est allé au Nyon, ouais. Ok, d'accord, justement, il me disait là, que tu sois en fréquence, là, que j'avais des chances de t'avoir en fréquence. Eh bien, ça n'a pas loupé. Ah, chi. D'où, t'es pas très loin, vu comment tu passes. Ouais, moi aussi, je t'entends bien clairement, ouais, t'es pas très loin, là, je démarre de Caillou, là. Péchac et Caillou, d'accord, ben, j'arrive à la sortie 9 pour attraper la rocade de Libourne. Ah ben, on est proche, oui. Ah bah ben, oui, tu m'étonnes. Tu es dans le transport? Non, là je suis en vacances. Non, mais autrement, non, habituellement je travaille la nuit, je suis agent de sécurité. Voilà pourquoi tu m'attrapes assez souvent, enfin qu'on s'attrape comme ça de temps en temps en fréquence. Quand vous êtes vous embauchez ou ça fait pas longtemps que vous êtes embauché, moi pour ma part je sors du pro. Hachi. Voilà pourquoi on s'est croisé. D'accord, je comprends. Oui, voilà. Mais c'est un boulot qui m'aurait pas déplu. Hein. Mais bon, quand on est jeune, on fait d'autres choix. Et puis après, bon, les années passent et puis voilà quoi. Ouais, c'est normal. Ben, moi, tu vois, j'ai 33 piges, là, je suis en reconversion, je suis en train de passer les permis, Simon. D'accord, oh, j'ai pas beaucoup plus, hein, j'ai 55, c'est tout. Oh, mais ça va, y a pas grand écart. Non, voilà, merci. Ça, c'était pour me souhaiter la bonne année. Hey, je suis trois coups. Oui, c'est vrai, meilleurs vœux à toi également. Ouais, tout ça retourné, bonne année, meilleurs vœux, en espérant que les fêtes se soient bien passées. Ouais, on était tous un petit peu malades à la famille, c'était pas super, mais on était réunis téléphoniques. De quelle maladie tu parles? Maladie d'avoir trop vidé de bouteilles? Oh non, pas du tout, maladie gastro-entérite. Aïe, la vache, ça c'est la merde. Ah ouais, mais en ce moment, en plus on a des bébés dans la famille, moi j'ai un petit bébé aussi, donc dès qu'un virus qui traîne, c'est pour nous quoi. Ah bah oui, il faut être solidaire en famille quand même. Ça se perd, hein, mais il faut être solidaire. Oh, ça sent moins bien alors. Ouais, je suis en plein sur la rocade de Libourne, puis toi, tu dois certainement passer dans des endroits où ils ne seront pas terribles. Ok, je vais te laisser rejoindre Nico, les bonnes sont 13:51 à toi, et à la prochaine sur les ondes. Ok, je suis justement en train d'en faire une, comme ça tu auras l'occasion de pouvoir voir un petit peu ce que ça donne là de mon côté. Ok, ben bah, on fait la une, si t'arrives pas à m'avoir, ben communique-le à Nico, il me le dira, et puis je vais débrouiller pour ce contact. Y'a pas de soucis, je lui fais confiance. Voilà, bah tu verras là tout à l'heure justement, là quand j'ai parlé avec lui, là tu verras ça dans la vidéo. Là je suis sur la rocade de Libourne, la vidéo est en train de tourner aussi, donc c'est bon, c'est génial. Tu pourras voir comment ça passe là, de mon côté. Ok, ben là moi je suis toujours sur la 89, là je vais pas tarder à arriver au niveau de Arthur. D'accord, ben ça remontait un petit peu là de mon côté, là tu vois là. Alors que qu'on s'éloigne, là j'arrive au niveau de l'aire de repos qu'il y a sur la rocade de Libourne. Voilà, c'est parti en sucette là. Ok, ben on va arrêter là, on va pas insister plus. Bien content de t'avoir eu en fréquence. Les 213-51 toi, la prudence sur la route, même si ça roule bien. Et à la prochaine. Allez, merci, 213-51, à toi. Ok, merci, ciao.
ce 17, c'est Charentais qu'on entend derrière, là, mais bon, ils sont en train de s'éloigner.